suis tout été ici. Ah, ben, je suis pas né ici, j'étais dans la maison du dessus, mais... Bon, ben, la maison plus mes loin. Parents m'ont acheté ici, je suis tout été à Pensières et puis ici. 94 ans, le 7 août 1910. Et puis là, j'ai tout le temps bricolé, là, c'est là que je passais mon temps au lieu de... J'allais pas au bistrot, moi. J'étais un bricoleur. J'étais pas, j'avais pas aimé que pour aller faire les toits de chaume, tout ça, ces bâtiments-ci, étaient en chaume. Ici, la maison où je suis, là derrière, c'était mes grands-pères, tout ça, c'était en chaume. Alors, en voyant faire les couvreurs qui venaient faire les toits, je les servais. Et puis j'ai vu comme ils faisaient, puis je me suis mis à faire comme eux. Je faisais mes toits, moi, pour commencer, puis après il y en a qui me demandaient. Puis je faisais ma petite culture, quoi. Ah, j'étais demandé dans tous les pays. Ah oui, il y avait encore les pays qui étaient en chaume, mais les couveurs, il n'y en avait plus. Ce chaume était réalisé par des professionnels qui étaient en fait en même temps paysans et qui étaient des gens qui intervenaient pour la confection des toits. Ce chaume se faisait donc en principe avant les travaux d'été et en particulier au mois d'avril, au mois de mai et éventuellement début juin avant les fenaisons. Les chaumières dans le Morvan étaient faites en paille de seigle, d'une façon générale, notamment dans tous les massifs granitiques. Les exploitations agricoles avaient beaucoup de peine à fournir suffisamment de paille de seigle pour l'ensemble des usages qui étaient nécessaires à la vie quotidienne. Et donc l'usage de la paille pour la couverture se trouvait en concurrence avec les usages que demandait l'exploitation. Le seigle, on faisait du seigle pour avoir le grain pour les bêtes. Et comme j'avais pas assez de seigle, tout ça était en chaume. Je mettais le dessus, la dernière couche avec du blé. N'a pas été doublé même, le faitage. Si vous étiez tout seul, il faut descendre du toit, par terre, il faut remonter. Mais dans la maison, il menait le couvreur, c'est le propriétaire qui les servait, qui montait. S'il n'avait plus de pêche, s'il n'avait plus de glu, s'il n'avait plus de... Il montait ce qu'il lui fallait, puis il restait sur son toit, là. Il en couvrait bien plus gros. Les charpentes de chaumière du Morvan étaient constituées de chevrons et sur lesquels on posait des lattes en jeune tronc de noisetier. Bon. Vous tortillez et vous faites toujours le nœud dans le dessus. Comme ça. Les bottes de paille étaient attachées à ces lattes par le biais de liens, soit en paille, soit en riotte, c'est-à-dire en brin, en branche de bouleau ou de bourdaine. C'est les rotes de bouleau, du taillis de bouleau qui est poussé en pouce plein, au pied, même les branches, puis vous les tordez vertes. Prêtes, et puis après vous les laissez sécher, puis tant que vous voulez vous en servir, vous les faites tremper dans l'eau, à la chaleur d'une main. J'ai les doigts gobiots, sinon... Vous savez ce que c'est que des gobiots? Non, des gourds. On vous le dit. Oh, mais il y a du préparation dans faire le toit. Ah, vous êtes des drôles de couvreurs. Combien vous prenez par jour? Comment tu es dans le temps? Comment je fais le temps?
faire de l'histoire. Ah ben, on faisait comme on voulait. Oui. Si tu l'étendais bien, il était plus fin. Oui. Ben, c'était fonction de l'épaisseur. Et il durait moins de temps. Ouais, ah oui. Si tu le faisais plus hypoc, il était gel, ben, il dépassait de ça, de 3 cm, ça mouillait pas beaucoup, il durait beaucoup plus de temps. Ça dépend de la paille que tu avais. Un bon paille assez épais, ça pouvait durer au moins 50 ans. Ah oui. C'était mon boulot, c'était de faire ma moisson, de couper le foin, j'allais pas faire des toits, moi. J'étais pas chaumier de profession. J'étais un chaumier amateur. Charron amateur, je faisais du fer, je faisais mes fers du char. Tout ça, c'était de la... Parce que j'étais un bricoleur, vous savez ce que c'est qu'un bricoleur qui fait tout. C'est un bricoleur infini, moi.